Deux questions ont été posées à Jim Rohn. La première, quel est le secret financier selon toi? Et la deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des millions? La réponse dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, coach en développement personnel et professionnel, expert en éducation financière. Bienvenue dans cette vidéo que je dédie à Jim Rohn. Jim Rohn, c'est un grand monsieur qui a influencé beaucoup des icônes entrepreneuriales à succès aujourd'hui, notamment Anthony Robbins et bien d'autres. Si vous voulez savoir plus sur lui, il suffit d'aller sur Internet, aller vérifier et vous allez comprendre que c'est un monsieur qui savait de quoi il disait. Alors, deux questions lui ont donc été posées et le but de cette vidéo, c'est de vous amener dans cette définition de la vie et dans les réponses qu'il a données à ces deux questions qui sont très importantes pour moi. La première question, on lui a demandé, quel est le secret de ton succès financier, ton succès économique? Et voici sa réponse. Il dit que si vous voulez vraiment créer plus de la valeur ajoutée dans votre société, pour vous et pour les autres, vous devez vraiment comprendre ce que c'est que le fait de créer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est un mot ou une expression française qu'on trouve ça et là et que vous pouvez même trouver vraiment sur Internet aujourd'hui. Mais on lui a dit, mais explique-nous, monsieur Jim Rohn, créer de la valeur ajoutée, c'est bien, mais comment est-ce qu'il faut faire pour créer de la valeur ajoutée? Écoutez sa réponse. Vous devez travailler plus dur sur vous-même que sur votre entreprise. Je répète, il dit, vous devez travailler plus dur sur vous-même que sur votre entreprise. La raison est simple. Pour gagner sa vie aujourd'hui, pour remporter les victoires, pour escalader les montagnes, vous devez avoir une bonne préparation psychologique et mentale. Et ça, c'est très important pour réussir au 21e siècle. Et la deuxième question, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des millions. J'adore sa réponse. Il dit que si vous voulez gagner des millions, vous devez servir des millions de personnes. Devenez le serviteur des centaines de personnes, vous allez gagner des centaines de mille. Mais devenir le serviteur des millions de personnes, vous allez gagner des millions, soit de francs CFA, d'euros et de dollars, et j'en passe. Et ça, c'est quelque chose de très important, les amis. Parce que nous regardons aujourd'hui les gens qui font des affaires, dans l'entrepreneuriat et même à l'église, on a l'impression que ça patine. Mais pourquoi? Parce qu'on ne se prend pas de la bonne manière, cherchant à satisfaire, à servir un maximum de personnes, alors gagnant beaucoup d'argent. C'est donc les deux réponses fondamentales que j'avais voulu mettre à votre disposition aujourd'hui. Et si vraiment ces enseignements vous ont aidé, alors faites-moi signe en faisant un commentaire juste en bas ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et sachez une chose, impossible est une bêtise et l'échec n'existe pas. Merci beaucoup.